Bonsoir, bel bonjour, ça dépend du moment où tu as regardé nous. En tout cas, alors avant de commencer, mais que Roland vient de dire une difficulté passagère qui fait qu'il parle et puis nous après-midi. Donc, je ne pas inquiéter que les autres, qu'il a dans un moment. Donc, c'est la journée de la femme, hein, donc nous mettez, enfin, du droit de la femme, hein, c'est pas la journée de la femme, du droit de la femme. Donc, nous avons quand même pensé, nous avons pensé à toutes ces madames-là qui ont œuvré, maman nous, c'est nous, Madame, nous, tout le monde, nous, pour justement nous permettre d'aller mieux de l'avant dans la société noire aujourd'hui. En tout cas, après-midi, nous avons eu soir, nous avons eu des imams qui ont parlé de culture, de musique, ça va aimer, mais nous avons partagé ça, en tout cas, de musique, d'identité culturelle, d'identité musicale caribéenne, de mémoire, de transition, nous avons mis tout ça, comment on va faire. Alors, chaque monde a présenté quoi, avant de nous lancer des débats. Voilà, monsieur Bolivar. Léo Bolivar. Oui. Donc, Léo Bolivar, membre du groupe Ouattaboui. Ouattaboui, c'est un groupe orchestral, un orchestre composé essentiellement de souffleurs de Congo-Lambi et des percussions, quelquefois flûte traversière, accordéon. Donc, c'est. Enfin, vous pouvez présenter en deux mots, c'est ça. D'accord. Orchestral de Condolot, de Soufflambi. Voilà. Très bien. Oui. Ouattaboui. Monsieur Gérald Lizère, donc président de l'association Mélange Caraïbes, enseignant d'espagnol. Voilà, donc, qui est aussi écrivain, aussi à ses heures perdues. J'ai rédigé l'ouvrage Le Zouk, voilà. Genèse et représentation sociale de musique populaire en 2018. Et qui modestement me dit, joue du piano. Aussi, je vais mal dire. Tout à fait. Alors, à ma gauche, oui. Alors, c'est le François. Oui, bonsoir. Donc, je suis bien le vice-président de Frédéric Lefrançois, le vice-président de Mélange Caraïbes. Donc, je m'intéresse particulièrement aux études culturelles, donc à tout ce qui est en rapport avec la diaspora, la transmission par le biais des arts, la culture et. Voilà, le sujet est magnifique. Mais bon. Alors pour ma part, Pierre Léandre, de mon nom de famille, Jean, mon prénom, plus habituellement appelé Jeannot. Donc je suis effectivement, comme Léo, membre du laboratoire d'archivage de l'oralité, qui est effectivement une association qui possède en son sein un groupe de souffleurs, un groupe orchestral de souffleurs de conques de Lambi. Et ma foi, depuis un certain temps, sans l'avoir jamais demandé, on m'en a imposé la présidence. Ah voilà. Ah bon. Monsieur le président. Monsieur le président, c'est une chance. Je vous en prie, alors, cher ami. Alors donc, on est un peu sur. Il y a une entité qu'on n'a pas présentée, c'est qu'attendre que ça, de toute entité là, que vous avez. Vous en avez parlé de Ouattaboui, vous avez parlé alors, de. Nakan. On va présenter un petit peu les organismes avant de se lancer vraiment dans le débat. Alors peut-être je commence avec Nakan et j'irai le poursuivre avec Kapok. Alors Nakan, en fait, c'est le pôle recherche de Mélange Caraïbes qui a vraiment, je sais qu'il y a un laboratoire à mes côtés, à la présence de monsieur. Pierre Léandre, Jeannot. Et donc, nous avons aussi une mission de public de recherche véritablement originale, parce qu'on cherche vraiment là où les autres ne cherchent pas. En clair, nous avons vraiment en Caraïbes, dans les Amériques, bien tout un pan de connaissances, de culture. Voilà, je veux parler par exemple de l'amérindianité, qui est un volet qu'on aborde assez peu. Et sur lequel nous nous penchons. Donc, nous avons eu trois numéros à cette date, à ce jour. Nous avons commencé par le Zouk, sous l'auspice
de notre bienveillant président qui a coordonné le numéro sur le Zouk Trajectoire, Imagination et Perspective, vous voyez, qui est en deux langues et qui a fait le tour de la planète. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de connexions. Des chercheurs s'emparent de ces données. Voilà, qui y ont contribué, des gens du Cameroun, des gens du reste du monde, voilà, de Guadeloupe, etc., de la Martinique. Et puis, nous avons aussi un numéro qui s'est vraiment intéressé à la question qui est très, 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 très prégnante, hein, celle de la statuaire, hein, de la représentation de la statuaire, de la mémoire dans l'espace public, à l'ère qui est la nôtre, qui est l'ère décoloniale. Voilà, c'est un numéro vraiment encore plus international. Nous avons récupéré des contributions du Canada, des États-Unis, de Floride, je crois aussi d'Écosse, oui, et ma foi, d'Afrique et de la Caraïbe, des Amériques. Donc c'était vraiment un numéro exceptionnel et qui vraiment montre à quel point on cherche à y en est. C'est ça. C'était entier. Et l'autre. Oui, simplement, je voulais ajouter à ce niveau, au niveau de Mélange Caraïbes, il y a cette dimension tripartite, c'est-à-dire qui travaille sur la recherche, on travaille aussi sur le volet création, puisque nous avons cette année initié une édition d'une revue en ligne qui porte le nom de Kapok. Kapok renvoie à Seiba, si vous voulez, c'est le fromager. Hein, ça renvoie à ces éléments, les fruits du fromager. Et là-dedans, nous essayons d'avoir une revue culturelle dédiée non seulement à la poésie, au théâtre. On a bien évidemment des créateurs de la Caraïbe. Nous avons le premier numéro sur lequel nous sommes en train de travailler qui va sortir sous peu. Et je peux vous dire que nous avons d'énormes contributeurs, des contributions musicales. Nous avons des contributions artistiques, visuelles. Nous essayons de couvrir tout un champ très intéressant pour mettre en balance et la recherche et la création. Et puis le troisième volet, qui est la formation, que nous n'allons pas tarder non plus à mettre en œuvre. Nous avons commencé d'ailleurs avec les croisés, les cycles de conférences que nous faisons en partenariat avec les collectivités et aussi l'Université des Antilles. Alors. Et Ouattabri, avant de... Oui, nous, en fait, il s'agit pour nous, hein, parce que nous sommes surtout d'une région côtière, au départ. On utilise l'instrument, la conque. Et les legs que nous avons, ce sont certainement ce que nous ont les Amérindiens ont laissé. Parce que le coquillage en lui-même, c'est surtout, je crois que c'est directement legs Kalina, bon, Caraïbes. Et nous autres qui avons entendu, parce qu'il était, si vous voulez, ces localités, et il a fallu, et on se demande comment les ont pu, jusqu'à aujourd'hui, fonctionner en gardant vivaces toutes ces traces-là. Mais il se trouve qu'au moment où je vous parle, se sont perdues quantité de choses. Et nous, Ouattabri réagit en disant qu'il faut fixer ça. Et de là aussi, il faut archiver ça. Et c'est de là que nous avons. Concrètement, une production, un disque patrimonial. Nous avons tenu à enregistrer les morceaux avec des codes assez précis. Par chance, nous avons quelqu'un qui est un dépositaire, qui connaît bien les codes, avec les significations. Donc nous avons, de manière didactique, mis tout cela sur un album disque, livre-disque, comme nous appelons ça, livre-disque. Oui, oui, oui. Et il se trouve que c'est de là que l'on voit l'importance de la chose. Comment il y avait un déficit. Comment, nous, dans nos régions, nous voulons faire de l'archivage, mais il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a, mais en tout cas, il faut trouver des possédés. Donc là, en ce moment, nous sommes en plein dans ça. Donc nous, à partir de ce que des legs, on travaille et on essaie d'enrichir ce qui est là. Alors l'apport, à côté des musiciens, des musiques, des instruments traditionnels, nous essayons de mettre des musiciens, des musiques, des instruments plus modernes, on va dire. D'accord ? Donc nous sommes là, bon, c'est à la fois
Paris est assez audacieux. Hein, ouais. Mais bon, je crois qu'on avance, on avance. On avance. Bon, je suis un peu musicien à mesure perdue, mais comment on fait pour accorder les concours de l'ambé? Comment on fait techniquement alors, pour le techniquement, bon, Jacques va être plus précis que moi, mais en tout cas, le coquillage lui-même, le coquillage, il a, comme nous dit le maître, Louis Delbois, il nous dit qu'on a ni songe. Ni songe, une tonalité, quoi. Ni songe, ça roule, comme était quoi, l'idée, quoi, fait plongement. Pas choisi, d'accord. Pas choisi, il faut le respecter. Donc là, après, nous sommes devant une grosse. Il faut être plus précis. Et quand nous allons, par exemple, nous trouver en situation, il faut jouer des musiciens qui ont servi bien moderne. Il faut trouver bon contenant. Et Jeannot va peut-être le préciser. Là, nous allons commencer. C'est-à-dire que nous avons des instruments qui sont fiers. C'est comme ça qu'on dit ça. D'accord. Et il faut que techniquement, nous arrivions sans qu'il nous ajuster ces sons hein, ou qu'on mette pour nous d'accord parfait, comme nous l'avons fait. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que. Instrument qui était simple, extrêmement simple. Nous avons fait faire communication, nous avons pris la besoin de jouer musique. Et musique, nous avons mis, c'est sa prétention aussi, musique moderne là. C'est-à-dire que moi, on peut jouer d'autres instruments. Moi, je vais puis, on peut jouer piano, on peut jouer synthétiser, n'importe quoi. Et voilà un peu ce qu'il faut. Pour accorder, hein, pour inscrire dans la modernité. Absolument. Donc ça va venir un instrument moderne. Partie de traditionnel là. Et puis arriver à la modernité. Ce qui rejoint la thématique, la transmission, comme nous avons dit. Donc, oui. Donc on va arriver sur monsieur Léandre. Oui. Il va nous plonger dans l'univers de la musique. Mon Dieu. Alors c'est une longue histoire finalement, mais qui reste vraiment très prégnante, vraiment très intéressante. Alors c'est vrai que Léo a commencé à en parler très savamment. Et en ce qui concerne cette question de savoir. La note que l'arc possède. Voilà, comment fondamental. Alors, c'est tout simple. C'est une note qui, au départ, n'existe pas. Oui. Parce qu'elle est avec son maître dans l'eau. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où on a sorti ce strombe marin, parce que la famille des Côtes de Lambie fait partie une grande famille qu'on appelle les strombes marins, c'est-à-dire des cons qui peuvent effectivement, d'où on peut effectivement sortir des sons musicaux. Ou entendre le bruit de la mer. Par exemple, qui en fait n'en est pas vraiment un, mais c'est très, très intéressant de l'appeler comme ça en réalité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'une fois qu'on a sorti le coquillage de l'eau, on va en enlever le mollusque, d'accord? Alors, j'en profite là tout de suite pour pouvoir expliquer le mot caraïbe, Ouattaboui Ora. C'est le vocable donc Kalinago de ce que nous appelons Conque de Lambie. D'accord? Alors, Ouattaboui, c'est Zekal là. Et puis, Ora, c'est Nanangada. D'accord? Donc, Ouattaboui, le coquillage, et le Lambie. Qui est le bonus, c'est Ora. Alors, au moment où, c'est vrai, où nous sommes penchés sur cette nécessité que nous avons quand même ressentie, on a systématiquement, pour pouvoir conserver le vocable Ora et ne pas le perdre, tous les morceaux que nous avons donc composés, on les a tous intitulés avec Ora en tête. Et après, autre chose. Parce que chaque morceau part effectivement d'un thème, part de quelque chose. D'accord? Donc on a Ora Ora, premier morceau que nous avons composé. On a Ora Marin, qui a une histoire. Ora Flamme, qui a une histoire. Qu'est-ce qu'on a encore? Ora Madé, qui a une histoire. Et tout ça se trouve effectivement dans ce disque patrimonial que nous avons donc produit il y a de ça déjà 2 ou 3 ans. Déjà, ça passe. Et bon, malheureusement, il n'y en a plus et on est en train de voir dans quelle mesure on pourrait en refaire une réédition. Parce qu'il n'y a eu pas plus tard que hier soir, j'ai reçu encore des demandes d'achat. Mm-hmm. Alors, ceci étant, ce que j'aime à dire, parce que je suis un petit peu, je vais presque dire maladivement passionné par ce que je fais, j'aime bien qu'on puisse
rentrer dans cet entendement suivant qui est qu'à partir du moment où on a entre les mains un strombe marin, quel qu'il soit, que ce soit une conque de lombie, un syrinx, un ruanus, un fasciolaire ou un bursa, peu importe, qui sont d'autres strombes, c'est essayer de penser que là, on se trouve devant tout simplement une œuvre d'art, une de ces plus belles œuvres d'art que la mer nous offre pour pouvoir lui donner une seconde vie. D'accord ? Et à ce moment-là, il faut se mettre en cheville pour pouvoir faire ce travail. Et ce qui me permet d'arriver à la question posée tout à l'heure, à savoir cette note. Alors la note, c'est quoi ? C'est qu'une fois que tout a été nettoyé, donc ça demande beaucoup de temps, hein, parce que moi j'estime, grosso modo, pour pouvoir faire une conque convenablement taillée, il y a pratiquement une quarantaine d'heures dessus. D'accord ? D'accord ? Alors quand je dis ça, c'est très différent de la manière empirique, en fait, de travailler l'aboutissement d'un façonnement de conque qui partait du principe qu'en cassant le bout pointu qu'on appelle un durex, on a un trou, à l'intérieur il y a ce qu'on va appeler un petit restant d'âme, on va le casser, on va le limer un petit peu, et puis on va souffler dedans, automatiquement gagnant son rasotiade. D'accord ? Mais là, on a un confort labial qui est, je veux dire, pas évident. D'accord ? Donc, à partir du moment où on va commencer à travailler les esthétiques, c'est-à-dire l'esthétique de l'objet, à savoir toute la présentation, là, il y a nettoyer, des choses extraordinaires, polir, parce que chaque conque a sa robe, mm-hmm, et sa robe est unique. Elle est spécifique. Oui, absolument. Il y a une manière de la faire sortir pour la montrer. Mmh. D'accord ? Donc il y a ce premier travail qui est très long. Et après cela, on va commencer à attaquer effectivement cette possibilité d'en sortir un son. Donc là, il faudra tailler ce durex. Et il y a tout un travail à faire et qui est un petit peu différent de tout ce qu'on trouve par exemple sur ce que nous allons appeler les instruments avant conventionnels. Alors, pourquoi ? C'est qu'un trombone, une trompette, qui sont les deux instruments conventionnels, et aussi le sous-bassophone, ces instruments-là, qui se rapprochent le plus de la conque. Pourquoi ? Ah, le grave, pour le grave, oui. Voilà, non seulement pour le grave, mais déjà sur l'embouchure. Parce que là, on va souffler, et quand on va souffler, on va souffler, mais ça va être les lèvres qui vont travailler. D'accord ? Mais il va y avoir un appui sur les dents, un peu comme un saxophone, mais d'une façon très différente. Avec, comme pour la flûte, mais d'une façon très différente. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'un trombone, une trompette, on a une embouchure qui est en fait ce qu'on va appeler un entonnoir, grosso modo. D'accord ? Et autour de ça, il y a une margelle comme celle d'un puits, d'accord ? Qui va être là où on va donc poser les lèvres pour avoir le meilleur confort labial possible. Là, il y a un travail, là, vous mettez ça en place. D'accord ? Et après ça, pour pouvoir ajuster la note d'octave, ce que j'appelle aussi la note de base, il faudra venir travailler à ce moment-là sur la tranche de la spirale à l'intérieur de ce qui reste. Et là, c'est un boulot. Oui, donc, là, pour pouvoir tailler une conque, il faut déjà savoir faire la différence entre souffler et jouer. D'accord ? Et puis aussi être, à mon avis, avoir une oreille musicale, quoi. Être déjà un peu... Outillé pour ça. Oui, oui, physiologiquement, je dois dire, voilà. Ah, mais bien, en tout cas, merci pour ces... J'espère que tout ce savoir-là s'est transcrit déjà à quelqu'un. Oui, déjà oui, transcrit, oui, absolument. Dans le CD, dans un livre, un livre musical. Le CD livre musical, effectivement, sur... tout ce qui, c'est nous qui l'avons, il était en librairie, il est fini, il n'y en a plus. Alors vous savez, je vous demande de m'excuser, je me suis tellement penché sur cette histoire de musique traditionnelle avant de partir, que je suis parti et j'ai oublié de prendre le CD. Il n'y a pas de problème, c'est ça l'occasion de vous faire revenir, pour partager cet art-là. Merci. Donc voilà, et tout cela nous ramène systématiquement à un travail de fond, bien, d'accord, qui est, comme je le disais au départ,
de mon intervention qui est passionnant. Donc, savoir si on a transmis, oui. J'ai depuis quelque temps réussi à former un de nos stagiaires, comme on dit. Un luthier. Et maintenant, un autre luthier dans cet esprit-là. Parce que c'est vrai que entre la taille empirique et la taille contemporaine, il y a quand même une différence. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Oui, très bien. Ben, une belle présentation de la Coque de l'Ambi. Est-ce que c'est un arbre qui est partagé dans la Caraïbe? Est-ce qu'il y a d'autres îles qui... Alors, mais je crois que dans toute la Caraïbe, ça existe. Ce niveau de perfectionnement... Oui. Alors, je ne sais pas si ça a ce niveau de perfectionnement, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai vu effectivement des conques qui viennent des îles des Petites Antilles, principalement, où on a renforcé l'embouchure par des embouchures artificielles, c'est-à-dire des embouchures de trompettes, ou des choses comme ça, ou encore des plastiques qu'on met dessus. Bon, ben, pourquoi pas, chacun fait un peu comme il le sent. Oui, ça. Mais nous, en Martinique, nous privilégions beaucoup plus les embouchures naturelles, pour une bonne raison, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur les embouchures naturelles, quand la conque est bien coupée et que la personne qui souffle est à son affaire, le scintillement du son est extraordinaire. Voilà. On va entendre ça la prochaine fois. Donc ce qui nous amène un petit peu, donc on sort de vraiment de la nature. Ceci qui dit, me suis rendu compte que dans j'avais oublié une conque de mon sac. Ah, si vous voulez, avant qu'on change de registre. Et pourquoi je l'ai oublié? C'est parce qu'elle est toute petite en fait. Voilà. C'est que j'avais pris. Voilà. Voilà, très bien. D'accord. Bimax, c'est ça, non, celui-là, c'est un Tritonis charonia. D'accord. Donc, Tritonis charonia. Ah bon, vous n'avez pas, moi j'ai pas vivant. Oui, exactement. Et c'est un coquillage qu'on appelle couramment Triton. Et pour la petite histoire et son lien à la littérature, c'est que c'est le seul coquillage des mers tropicales qu'on retrouve en Méditerranée, d'où la corne d'abondance qu'on trouve sur les lithographies gréco-romaines. La corne d'abondance avec les fouilles dedans, là, c'est ça. Mmh. Ah, d'accord. Donc c'est un coquillage univers. Ah ben oui, qui a colonisé la Terre entière, quasiment. D'une certaine façon, puisque dans toutes les mers chaudes du monde, on les retrouve de différentes manières, avec différents poids. D'accord, des différentes grosseurs et des différentes formes, et des pavillons sont plus larges, en fait, c'est tout un truc. Alors, j'aurais une question à poser à Jeannot, justement. Jeannot, dis-moi un peu, dans la mesure où cette conque, hein, qui a été usinée, esthétisée pour pouvoir faire sortir un son qui fait partie de la gamme tonique, d'accord, nous sommes en fa. Quel est le son naturel? Est-ce qu'il y a un son naturel? Est-ce que tu as travaillé la conque pour qu'elle produise un fa? Ou est-ce qu'elle a un son de base qui est différent du fa et qui, bon voilà, d'une manière ou d'une autre, comme le luthier vraiment... Oui, alors ce qu'il y a d'extraordinaire avec les conques, c'est que la nature est généreuse. D'accord? Les notes. Elle est extraordinaire pour la bonne raison que, selon la grosseur de la conque, il y a effectivement... une note de base qui va se situer, plus elle est grosse, plus les notes seront graves. Et plus elle est petite, plus les notes seront aiguës. D'accord? Et à ce moment-là, sur les notes graves, qu'est-ce qui va se passer? On va essentiellement trouver des conques qui vont être en do dièse, ré, dièse, bémol, do, ré, mi, fa. Doré jusqu'à mi, elles sont assez grosses. Et quand on commence à sortir de mi, on commence à sortir sur des conques plus petites. Et le son, plus on va vers des petites conques, plus le son est aigu. Et la particularité qu'il y a sur tout ça, c'est que, pour notre part, au niveau du laboratoire, on a réussi à trouver, par exemple, une conque comme celle-là, qui est un triton, petit comme ça, où, là-dedans, on a la possibilité de trouver toutes les notes de la gamme sur la note de base de fa. Ah, ça c'est l'expertise du musicien qui a. Alors qui moi va je ne suis pas spécialement musicien, même si je suis
Je le suis un petit peu parce que je joue de la flûte traversière, mais c'est d'oreille, quoi. Moi, je n'ai pas, j'ai pas fait de conservatoire, je ne sais même pas où se trouve la note douce ou une partition. Donc, c'est aussi simple que ça. Je le dis très ouvertement, je n'ai pas ça. Ça ne m'empêche pas de, comme on dit, entre guillemets, de prendre mon pied, quoi. Parce que lorsque je me mettais, je me lève et que je me mets à mon établi, c'est un plaisir, effectivement. Donc, cette conque-là, par exemple, on peut faire des mélodies avec. Oui. D'accord. Si on peut jouer toutes les notes, on peut faire des mélodies. Voilà, on peut faire des mélodies, d'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? On va laisser souffler. Alors, il va se préparer. On va le laisser préparer pendant ce temps-là. Ouais. On va peut-être aller de ce côté-ci. Alors, le zouk, on va sortir de la groupe ou on va tomber dans un univers un peu plus... plus populaire. Plus mécanique. Plus mécanique, oui. Alors, le zouk. Ça sort d'où le zouk? Il y a une grosse polémique sur le zouk, on ne sait pas si c'est là, si c'est là, si c'est pas là. Il y a toujours eu des polémiques. C'est à côté. Vous savez, lorsque une musique sort comme la salsa ou le zouk ou le reggae, il y a toujours des polémiques parce que il y a toujours des personnes, des groupes, des musiciens de plusieurs horizons qui attribuent la paternité de la musique. C'est normal, la famille Rostar a connu ça. Moi, je crois que. Il ne faut pas entrer dans ces polémiques. Il faut surtout voir la constante d'un groupe comme Kassav, voir ce qu'ils ont fait au départ et ce qu'ils ont apporté dans la longévité. Je crois que c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai choisi ce groupe comme élément phare parce que c'est le plus régulier, c'est celui qui a produit le plus d'éléments et qui a donné une direction bien claire et précise à la manière de faire le zouk. Alors moi, je suis un musicien à la base... au départ, j'ai toujours joué du zouk. Hein. J'ai des groupes de zouk. D'ailleurs, il y a la jaquette. La jaquette, oui. Family. Chirio. Voilà, Chirio, qui est un hommage à Kassav, le premier morceau. Un hommage à Kassav. Voilà, donc. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que lorsque vous avez un groupe comme ça qui a été régulier dans le temps, on est sur plus de 40 ans, de zouk et de pratiques et de CD qui sont produits, d'exemplarité. Je crois qu'il faut quand même l'étudier et voir ce qu'on peut retirer comme loi, comme comme modèle qui peuvent aider à mieux construire. Ah. Alors, maintenant, ceci dit, il y a des gens qui prétendent, comme en Guadeloupe, Louis, c'est le fameux, c'est Pierre-Louis, je ne me souviens plus. Il y a aussi Simon Jurade, il y a eu plein de personnes, hein, il y a une polémique dessus, je le sais. Mais en tous les cas, moi je pense qu'il faut quand même partir de ce postulat. Et d'ailleurs, Henri Debs a écrit dessus, il a dit que le zouk n'aurait jamais eu cette portée si... Sans l'apport de Jacob Desvarieux à la guitare. Mm-hmm. Donc je crois qu'il faut tenir compte de la vision d'un producteur, il faut tenir compte de la vision un petit peu d'un éthos, d'une écologie musicale qui nous permet de nous fixer et nous dire, bon voilà, on analyse ça. Alors ce qui a motivé cet ouvrage sur le zouk, et bien évidemment que je m'emploie effectivement dans cet ouvrage à montrer une périodisation du zouk à partir de l'échantillon classique. Mmh. Mmh. Voilà. Donc c'est un ouvrage qu'on trouve dans les bonnes librairies. Marc, tu dis qu'il est très difficile à trouver étant donné que l'éditeur a fait très peu de tirages, mais ceci dit, au niveau des éditions Aniboué, c'est possible toujours de retrouver cet ouvrage. Bien. Donc, je veux passer une nouvelle commande pour la Martinique, mais c'est un ouvrage à acquérir, bien évidemment. Absolument. Et bien, on continue d'écouter le zouk. Mettez-le en bas, moi. Il a déjà commandé. Voilà. Donc, on va vous laisser souffler un petit peu, on vous raconte tout à l'heure. Oui, donc, on va revenir à la mémoire, l'identité musicale, c'est-à-dire là, on a fait une transition, je dirais, de la modernité, on sort de la nature, la modernité, on va essayer de revenir un peu dans l'histoire. Alors, l'histoire, est-ce que l'identité musicale caribéenne,
est-ce qu'un Caraïbe peut avoir... Tout ça, le monde qui est dans la Caraïbe, est-ce qu'il peut dire en identité, hein, ça, oui, ça m'interpelle. Je pense que c'est une excellente question. Elle est là. Qu'il y a une sorte de synesthésie ou de télépathie. En tout cas, une sorte de conscience diasporique dans la Caraïbe, parce que quand nous voyageons, nous sommes capables, nous le disions tout à l'heure hors antenne, nous sommes capables de nous connecter très vite aux musiques de nos voisins. Oui. Et d'ailleurs, j'étais en entretien avec Luther François dernièrement, le mois dernier, au mois de janvier, et Luther me confiait que la Martinique, la Guadeloupe, hein, sont l'un des rares territoires de la Caraïbe où les musiciens ont cette aisance à jouer toutes les musiques de l'air, de la zone Caraïbe. Donc, ne serait-ce que sur le plan musical... Et du monde. Oui, et du monde, tout à fait. Et je serais tenté de dire que c'est à la fois une bénédiction, mais en même temps, c'est un risque. Bon. C'est un risque. Alors, parce que, et justement, ça nous entraîne vers la question de la stabilité, de la pérennité de cette identité. On parlait du zouk tout à l'heure. Tu vois, on parle encore, par exemple, de cette question... de la tradition, de l'archivage. Et je me pose la question de savoir si cette identité-là, elle n'est pas en train d'évoluer si vite que nous n'avons pas le temps de sédimenter. Mm-hmm. C'est que nous n'avons pas le temps de tenir un discours, mm-hmm. nous n'avons pas le temps de capitaliser sur ce qu'on a produit, mm-hmm. et si bien que cet héritage nous échappe déjà. À peine mm-hmm. on vient de faire quelque chose, on est déjà autre chose. Je dis, par exemple, regardons ce qui se passe à Cuba, regardons ce qui se passe dans les autres pays, je parle mm-hmm. des radios. Mm-hmm. Bon, c'est vrai quand même, ils ont quand même la décence, la volonté en tout cas, de mettre au premier plan leur musique avant de favoriser les world music qui entrent partout. Quoi, voilà. Donc oui, l'identité musicale caribéenne existe. Elle a deux versants, un héritage, un versant diasporique, qui nous permet de nous connecter à toutes les musiques. Mais il y a un héritage aussi endémique. Et celui-là, il faut le maintenir. C'est ce que nous avons montré tout à l'heure, mais qui est également présent sur la table. C'est par exemple chez nous, Francisco. Hein, bon, voilà. Hein, Charles-Denis. Mm-hmm. Et puis c'est aussi hein, tous ces pionniers, comme par exemple Yohara Coupet, ou encore Alirva. Voilà, Alirva. C'est aussi la Biguine hein, qui est là. C'est aussi Jeannot. Il y a Léonard Gabriel oui, qu'on a ici. Pour montrer là, ça, là. C'est extraordinaire. Ici, Léonard Gabriel, hein. D'accord. Et finalement, tout ça part d'un homme qui a sauvé, je vais dire, notre musique juste après Volcan. Oui. Puisqu'avec Volcan, les choses étaient déjà là. Cet homme s'appelle effectivement M. Victor Nazaire Corridon, qui Corridon. Est décédé. Et c'est grâce à lui que, par exemple, sur ici, Carnaval de Saint-Pierre, ça c'est la deuxième édition. La première, on l'avait, mais elle était en très mauvais état. Et j'ai réussi à conserver celle-là. C'est la deuxième édition. Et je vais vous faire remarquer une chose, c'est que tout ce qu'il y a sur ce recueil, on a là-dedans effectivement des textes plus des musiques. Voilà, ici par exemple, là, on a Perinello. Perinello, les bambéos, voilà ça. Ah ben là-dessus, toutes les écritures qui sont là, dessus, musicales, sont des écritures qui sont, sur le premier volume, qui sont manuscrites. Et tellement que c'est vrai, c'est que tout ce qu'on trouve sur le deuxième recueil ici, quand Madame Léona Gabriel a fait ce recueil-là, toutes les partitions qui sont écrites là-dessus, d'accord, sont les partitions originales de M. Victor Nazaire Corridon. D'accord. Ici, là, tout ce qu'on a ici, là... Non, on n'a pas tout perdu. On n'a rien perdu, en fait. Monsieur Corridon, si aujourd'hui on arrive à chanter toutes ces chansons qui sont si vieilles, c'est parce que M. Victor Nazaire Corridon a fait ce qu'il fallait au tout début du siècle dernier, donc après Volcan et la Première Guerre mondiale. D'accord. Il le faisait en qualité de quoi? Il a fait ça en qualité de quoi? Alors, M. Corridon, c'était un guitariste, c'était un pianiste aussi. Moi, je l'ai connu. On m'a même voulu me faire apprendre le piano chez lui. Mais Corridon, c'était un Kaltebug. Il doit être fait presque des mètres.
mais costaud, et puis il avait une grosse voix, et puis il était très imposant. Moi, je viens avec mon petit truc, et puis il me montre, machin, bon, j'écoute. Mais j'étais plus impressionné par la statue. La statue. Mais ce dont je parle là, mon petit mamaï, hein, parce que près de chez lui, là, près de la Franklin Roosevelt, l'Athénion Latite. Et c'est là qu'il était mené l'école. En Latite, c'est-à-dire une petite école maternelle de l'époque. De l'époque. D'accord. Alors explique quand même la Fontaine Roosevelt, ça, c'est intéressant. Parce qu'on voyage dans le temps. Dis-nous un petit peu, c'est à Fort-de-France. Alors, quand je parle de la rue Franklin Roosevelt, c'est quoi? C'est la rue où habitait M. Victor Nazaire Corridin. Et il habitait à cet angle de rue qui, effectivement, amène sur le vieux chemin, d'accord. Il était juste à l'angle, là. Donc sa maison était toujours ouverte. Il y avait guitare, piano. D'ailleurs, mon père, c'est là qu'il a appris à faire de la musique, puisque M. Corridin était son parrain aussi. Et là, moi, je ne suis pas resté longtemps parce que j'avais un peu peur de lui, mais c'était un homme extraordinairement jovial. Et il avait, plus tard que j'ai appris ça, un dicton qui était bien de lui. Il disait que pour pouvoir bien connaître le pays Martinique, il faut marcher la nuit. On a le temps de s'impressionner des odeurs, des calmes, on entend le bruit de la nature. Et c'était un philatéliste, c'est un des premiers à avoir fait de la radio ici, parce qu'il avait, ses petites bobines en machin de l'époque, et puis il arrivait à capter d'autres radios et tout ça. Bon, mais c'était un homme très, très prolixe en fait. Mmh. Voilà. Mais quel musicien. Grâce à lui, on a tout ça, quoi. Mais on évoquait ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a le côté matériel, le côté en mémoire? Est-ce qu'en Martinique, on a un lieu? Est-ce qu'on a besoin de lieu? Au-delà des bonnes volontés, c'est bien, c'est très bien, mais il faudrait qu'on ait un lieu dédié à cela. Alors, moi, j'estime que le jour où éventuellement, mon Dieu, laisse-moi te dire ça. Le jour où on aura un conservatoire, à mon avis, c'est son nom qui devrait se trouver dessus. Parce que si c'est Patelli, ni un chai musique que nous pâtez que ni jeudi, je ne sais pas, franchement. Je ne senti ça, je n'ai 72 ans dans les têtes. Tout ça, c'est parce qu'il était là. Mais c'est vrai qu'il n'y a un local collège qui a porté nos musiciens. Et pour tuer, il n'y a pas que nous fassions un établissement. Il est oublié. Ni en celle-là, il n'y a pas que c'est pas la Volga qui a porté nous, la rue Victor Corridin. D'accord. Et il a encore de la famille ici, il a des personnes de très bonnes compositions. Un débat, un projet nous peut lancer, pour un établissement. Alors, pour ne rien vous cacher, hein, depuis un moment, j'avais déjà pensé, au niveau de notre association, à faire un rond de bosse pour pouvoir coller sur la maison où il habitait, c'est-à-dire maintenant, la maison, elle est disparue, mais il y a un immeuble là, et mettre un rond de bosse là pour qu'on puisse savoir. Un rond de bosse, une sculpture au visage, et puis mettre ce qu'il faut en dessous, quoi. Astel Guantibaye. Ah oui, et puis écrire ce qu'il y a, parce que c'est pas côté mémoire qui nous alors, un petit peu. Il y a tout ça, et c'est aussi l'histoire de notre musique martiniquaise qu'il faut écrire. Ben oui. Et ça, est-ce qu'on a pensé réellement à tout ça? Alors, bien évidemment, au niveau de l'université, j'ai vu qu'il y a de la recherche sur nos musiques traditionnelles, etc. De plus en plus, depuis une dizaine d'années, il y a quand même une démarche qui est entreprise. D'ailleurs, j'ai connu le nom de M. Corridin à travers les travaux de Michel Miroir, qui travaille à l'édition d'un ouvrage sur la biguine. Mais honnêtement, est-ce que la Martinique peut s'emparer de ce savoir comme ça? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à... vous parlez de laboratoire, ben oui, ce sont des laboratoires de recherche, qu'on réfléchisse à réhabiliter, à aller fouiller cette mémoire qui est complètement occultée, qui est complètement perdue, et qu'il faut remettre à la disposition de tous, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit visible dans les documentaires, qu'elle soit aussi dans les livres et qu'elle soit partagée. Alors, moi, j'avais envie de dire aussi, par rapport à ce que M. Bolivar nous disait tout à l'heure, qui est fondamental. M. Bolivar, qui est
apparemment, il en parle de façon si savante. Il nous a parlé, oui, des Kalinagos, hein, quand il dit c'est quand même essentiel. Et parce que la base, la fondamentale historique, diasporique, c'est la plus de l'envie. Oui. Or, je ne comprends pas que dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires, on ne puisse pas mettre une conque de l'envie entre les mains des enfants. Je dis même si, par exemple, il s'agissait, parce que c'est simple, souffler. Notre première façon de produire le son, c'est par notre voix, n'est-ce pas? Nous pouvons chanter, c'est simple, c'est tout de suite, le son, le souffle. Mm-hmm. Et voilà, ben, écoutez, une question aussi simple que ça, apprendre les sons, do, ré, mi, fa, bon, avec des conques. Ce que je dois dire, Frédéric, sur ça, sur la question, donc, tu as mis le pied dans le plat, aujourd'hui, là, le haut humide, je ne sais pas si je me trompe, je pensais que c'était 600, mais on m'a dit que ça fait plus de 600. C'est-à-dire que dans les écoles primaires, nous avons commencé à travailler depuis très longtemps. Mmh. Et ceci grâce à M. Pierre-Louis Delbois, qui est le premier avait déjà commencé à sa manière, avant même que le laboratoire existe, il était déjà sur cette direction. Et donc on a commencé, on a travaillé, on continue encore. Je ne sais pas, vous vous dire, bon, ben, il y a eu grève, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Mmh. Ben, hier, normalement, je devais être à Aimé Césaire. Hein, j'avais une heure de cours avec les enfants de sixième. D'accord? Donc aujourd'hui, là, Ouattaboui a pu, le laboratoire a pu, grosso modo, placer entre 600 et 1000 empreintes chez les enfants de la Martinique. D'accord? Donc on a commencé à ça et ça fait déjà. Ça fait plus de 6 ans, 10 ans maintenant. Oui, à peu près. Oui. Mais pour prendre un peu plus loin, pour essayer de répondre à ta question, qui est une question fondamentale, hein. Comment nous avons occulté, en fait, toute la dimension amérindienne, on va dire. Ça tient, à mon avis, ça n'engage que moi, la conque de l'envie, il faut l'inscrire dans une... C'est quoi? C'est-à-dire que la conque de l'envie, c'est un instrument... qui fait peur et qui a fait peur. OK? Oui, absolument. La coupe de l'envie, c'est un instrument qui symbolise, qui a été utilisé en tant qu'élément de communication, mais qui a été aussi, par les peuples premiers, utilisé pour faire le lien entre l'au-delà, d'accord? Et là, donc, ce pavillon-là qui s'ouvre, le souffle qui part et qui va, ça va où? Et il y a des significations dans les vibrations. Alors là, on va à notre niveau, les vibrations, ça c'est assez précis. Nous avons probablement perdu cet aspect, on pourrait dire cet aspect magique. On l'a perdu, on l'a perdu, c'est vrai. Mais nous autres, quand nous étions enfants, on entendait par exemple, dans les fréquences graves par exemple, une coque soufflée, on était pétrifiés, on écoutait. Ça nous atteignait quelque part. Par exemple, nous essayons de le faire avec... rigueur, hein, avec discipline, de manière parce que c'est parce que ritualisé, nous avons des sons, une succession de trois sons longs qui annoncent la mort. Vous entendez ces trois sons-là, ça ne crée pas chez vous, c'est pas l'éveil. Il y a mis au corps, pris, ou là. Vous avez d'autres sons, des sons qui sont utilisés lors des labeurs, par exemple, de la sauter, d'accord? Et avec des sonorités bien précises, ça crée quelque chose chez vous. Dans l'ordre des régates, nous sommes du sud. Dans des courses de canaux, les vibrations sonores de la conque de la bière étaient utilisées pour non seulement permettre au patron de savoir comment faire un bord, on va dire ça, en créole, mais ça donnait à l'équipage de l'endurance. Et les sons qui étaient émis, le type qui soufflait, il savait sur quelle tonalité, avec quelle pression donner. Et c'est quelque chose de particulier. On a beau dire ce qu'on veut, il y a des effets qui sont là. Alors là, probablement, il faut que des gens, il faut que nous cherchions plus. Mais il y a toute une série d'éléments, de vibrations en ce moment. Hein. Vibrations ni inimonées, comme pour le tambour, mais inimonées. Donc la conque de l'envie, pour répondre précisément, a certainement fait peur, je pense. Parce que de la magie religieuse, une conque de l'envie, un con de l'envie, c'était à la fois un instrument décoratif, oui, vous aviez, par exemple, autour des tombes.
Ça, c'est très, très amérindien. Hein. Ouais. Mais je ne peux pas mettre de n'importe côté. Il y a des gens qui ont mis de caillou, mais les mains levées, je ne peux pas dire qu'on a mis de caillou. Casse-pilote, quand tu arrives à Casse-pilote, quand tu arrives à Casse-pilote, au bout de Casse-pilote, ben, les gens, des pompes de lambi au sabord de leurs fenêtres. Mais en même temps, il y a l'étude. C'est un instrument qui est quand même, on a beau dire ce qu'on veut, mon pays. Mon pays. Alors pour, bon, ça va nous faire rire, il y a quelqu'un qui a marqué le sud, hein, c'est Bourgand, René Bourgand. René Bourgand, c'est quelqu'un qui a été, on l'a coupé dans la coutumasse, pendant au moins 6 à 7 ans, il s'est mis en déroute, les autorités, et il s'est pas fait jamais. Les tirailleurs sénégalais qui étaient de passage en Martinique, ils voulaient chercher Bourgand, ils n'arrivaient pas à attraper. Mon te dit pas Bourgogne moi, Bourgogne nous suggère que Bourgogne est monté dans la Colombie. Monter, le terme monter, ça veut dire que il, ce qu'il a lui-même, le pouvoir qu'il avait, c'est probablement pour le bien de l'Colombie. Mais c'est très intéressant. Oui, c'est, ça, très intéressant. C'est le magico. C'est le magico religieux. Et donc, métaphysique. Colombie, voilà, si les autres mamans, Colombie, dans des occasions précises, parce que vraiment un pêcheur, un type qui va en mer, il a une coque. Parce que s'il a son embarcation, s'il a par exemple un problème en mer, il trappe un avarie, avec la coque, même si on a mouillé, il a soufflé, il y aura ça. C'est utilisé pour la direction la maria, les poissons arrivés, les gens ont appelé pour dire que poissons arrivés, depuis qu'on a bien. Mais qu'on a bien, à la fois, il y a cette fonction-là, mais il y a une fonction plus, je veux dire plus subtile, plus subtile, qui fait que respect aussi. Respect aussi. Donc pour répondre à la question, est-ce que ce n'est pas pour ça que ça a disparu un instrument qui a appelé le mort, le mort arrivé. Dieu seul sait comment après, bon, on s'est familiarisé à tout cela, mais nous t'appelons le mort. Nous t'appelons le mort. Et donc, est-ce que qu'on l'a dit, il n'y a pas tout ça qui est mélangé, qui fait que nous tenions en réticence, beaucoup de réticence à donner, à divulguer. Et en plus, il faut dire qu'il est important, je suis en train d'empiéter sur le sujet, il s'agissait, c'est de l'oralité, hein. C'est bien mon cas reprend pas c'est son outil nous cas reproduit donc nous pas ni un qui matière mon est conséquent donc il y a tout cela qui fait que probablement aujourd'hui ce qui explique aujourd'hui ça s'est dilué mais en tout cas on tabouille on tâche de fixer les choses avec quelqu'un qui est monsieur Pierre Louis Delbois hein, qui est quelqu'un monsieur dépositaire il nie c'est bien là il nie donc charge à nous quoi mettre ça en forme là pour demain pour après demain ok. Voilà pour répondre à ta question. C'est une histoire de la. Quand l'ambiance est une histoire bien intéressante, peut-être qu'il a échappé, mais pas les faits pièces d'égression, mais il a échappé à un destin connu. Vous voyez, si vous voyez de quoi je veux parler. je vais dire après. Je vais dire après si je ne sais pas bien perdu, parce que je ne vais pas entamer de polémique. Je vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses à. C'est compris. Il y a des choses, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect, il y a beaucoup de choses à savoir, à percevoir, et à connaître de cela, qui est un objet vraiment. Objet, pas un être, c'est-à-dire peut-être que vous payez aussi, parce que le nous avons dit qu'il y a des choses qui sont brillantes, peut-être que le monde pense qu'il est vivant toujours, alors que c'est le l'air, la résonance de tout ça qui voilà, c'est le rituel qui est. Et puis est-ce que ce n'est pas aussi la modernisation qui fait que le côté rituel magique, c'est amoindri, cette force métaphysique-là aussi est à tête, quoi. Absolument. Moi, je pense que la culture, nous oscillons entre deux axes, c'est-à-dire la culture profonde du pays et puis la culture imaginaire dans laquelle on est arrivé à installer dans l'assimilation. Et cette assimilation, il ne faut perdre de vue la dimension sacrale, on peut dire primitive, comme ils le disent, puisque les portures de la civilisation disent voilà, ça c'est primitif, ça c'est barbare, ça pas bon, machin, etc. Donc, mais en réalité, nous avons désacralisé quelque chose qui fait partie de notre ethos, de notre environnement. On a carrément désacralisé pour adopter une coutume. Je me réfère aux travaux de Francis Afferangan, qui parle des identités remarquables en Martinique, la Martinique est la parfaite assimilation. Et donc, il est évident que de ce point de vue-là, quand on regarde bien, il est difficile de faire émerger des éléments dont nous disposons. Nous avons des éléments.
nous les avons. Nous avons une culture musicale, nous avons une culture artistique. Peut-être qu'on est le département d'outre-mer qui est le plus fourni. Quand on regarde ce qu'il y a sous la table, moi je suis impressionné. Je pense que ce n'est que 1% des données qu'on pouvait en magazine. La béguine, franchement. Alors, ouais, super. Quand même. Oui, mais alors, il y a quelque chose que quand même qui est important, c'est la question de la problématique essentielle. On soulève dans la question d'aujourd'hui, l'identité musicale caribéenne. Moi, je serais tenté de dire que cette identité musicale, elle passe par un certain nombre d'étapes, elle doit passer par un certain nombre d'étapes. On a parlé de l'archivage tout à l'heure, avec le laboratoire d'archivage de localité. Chaque étape, on pourrait penser facilement que la prochaine étape, ce serait celle de la médiation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a archivé, mais il faut transmettre, il faut médiatiser, il faut que ça circule, il faut que ça s'entende, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on entend dans la rue, qu'est-ce qui se chante, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, on se connecte à quoi. Alors, ça c'est... Et puis encore une autre étape, après ça, ce serait l'éducation. C'est apprendre le sens de ce que l'on entend. Et puis, peut-être en dernière étape, la promotion. Et là, si tu regardes, il y a plusieurs étapes. On a des problèmes à chaque étape. Comment on va dire ça? On va dire peut-être cette seconde partie-là. Alors, on va permettre à M. Bolivar, on va le remercier de sa présence, de sa participation. Et puis aussi, j'ai bien retenu le côté mystique qu'il faut quand même conserver, le côté spirituel. Et puis, on va aller pour permettre à Josiane de venir. Donc, en tout cas, merci. Et puis, de toute façon, ce sera l'occasion que nous allons nous rencontrer de nouveau pour parler, pour peut-être démystifier encore plus, absolument, pour pouvoir, avec monsieur, pour voir comment nous allons régler. Vous pouvez régler en Condolambi pour nous. Il n'a pas joué, c'est dommage. Voilà. J'espère que ça viendra. En tout cas, merci. Et puis, on va faire merci à vous pour ça, pour cette intervention fort brillante et qui nous amène un petit peu dans les limbes de notre pays, de notre culture, de notre savoir, de nos océans, de nos mers, hein, qui est, je dirais, c'est une de nos mers, les mers de la Caraïbe, on a vu tout à l'heure, qui est là-bas. On a parlé de la mer. Le peuple de la mer, une identité vraiment caribéenne. On va certainement. Bon, on l'avait évoqué tout à l'heure, on va peut-être continuer à développer cette idée-là, comment un tel continent, il y en a qui l'ont appelé le sixième continent, savoir comment on va essayer de voir son essence, sa petite fibre, son identité, pour nous voir qui m'en est. Ben, là, en tout cas, nous avons passé un bel petit moment. Ce qu'il y a au travers de ce coquillage. C'est ça. On a la synthèse de tout ça dans le son. C'est ça. Dans le son. Ce petit machin-là peut jouer toutes les musiques du monde. Toutes les musiques du monde avec tous les sons, toutes les sonorités. Voilà. Absolument. Donc c'est vrai, puis on peut mettre une collection, c'est-à-dire même si on n'a pas qu'à faire tout, on peut mettre une collection qu'à faire. L'ensemble, gagner un piano, gagner l'ensemble. Je vous joue un morceau que vous connaissez. Si vous êtes prêts, si nous sommes prêts, ben on va vous écouter volontiers. Hein.
Pourquoi mettre ça? On a tout sécrétisé là. Oui, tout à fait. Non, mais c'est extraordinaire. Son bataille, oui. Et puis c'est d'ailleurs, pour faire le lien, c'est d'ailleurs l'emblème de Nakan. C'est une conque de Lambi. Alors, Josiane est avec nous maintenant. Bienvenue, Josiane. Oui, je vais d'abord dire bonsoir à tout le monde. Voilà. À côté, là, j'ai entendu des choses extraordinaires. Donc, je n'avais pas de support aussi forte que vous. Mais j'ai retenu une chose importante. À quand la formation des enseignants pour faire entrer la coupe de Lambi dans nos écoles. D'abord, parce que je me dis que si on ne démarre rien du tout, on ne va progresser nulle part. Et je me dis que pour démarrer, ça devrait commencer depuis les crèches. Et puis, les écoles maternelles. Parce que les enfants à l'école maternelle aiment ce chant de danse, de musique. Les enfants aiment ça. Parce qu'ils sont tout neufs. Donc, ils sont là. Ils attendent qu'on leur apprenne des choses. Ils attendent qu'on entre en communication, en relation avec eux. À nous, à vous, de faire un travail là où vous voulez pour que cette musique entre dans les écoles. Ça, c'est important. Parce que quand je vous ai entendu, j'ai bien suivi. J'ai noté pas mal de choses, je ne vais pas reprendre, vous avez tout dit. Mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est que avec tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez découvert, tout ce que vous avez compris, il faudrait que nos collègues ou l'administration forment les collègues de telle sorte qu'ils puissent transmettre. Parce que si tu n'as pas été formé, tu ne peux rien transmettre. Tu ne peux rien transmettre. Moi, personnellement, quand j'étais en fonction, je travaillais sur disque, je n'avais pas été formé. Il faut la voix. La voix, c'est l'humain, c'est l'homme, la voix. Or, vous avez parlé de pas mal de choses, de communication, de la voix, des sons, de l'oreille. Ça, ça prend en maternelle. Et ça permettrait de concrétiser l'enseignement. Je trouve, moi, j'ai été enseignante, que de mon temps, aujourd'hui, tout est démocratisé. Aujourd'hui, il y a plein de... on a plein de façons de se former soi et de moderniser l'enseignement. Il va falloir que les collègues, pas moi, je ne suis plus là, s'arrangent pour moderniser l'enseignement. Et tu peux apprendre à lire, à écrire, à compter, à comprendre les choses par la musique, par les instruments. C'est important ça. Ne pas toujours rester dans les livres. Oui, tu apprends, tu as besoin du livre. Mais si tu parles de toi-même, de comment je vais expliquer ça? Parce que quand j'ai entendu le prof, pour moi, faire sonner la conque de Lambi, je me suis dit, mais c'est ça l'école là, ni besoin. C'est ça les timamans là, ni besoin. Pour apprendre. L'émerveillement, s'émerveiller devant la nature. Oui, non seulement émerveiller devant la nature, mais il y a qu'à apprendre à faire la différence des sons.
Oui, il fait un zoom. Oui, parce qu'il y a des sons synthétiques, des sons acoustiques. Acoustiques. Il va zoomer. Il va apprendre à faire ça. Mmh. Et c'est à partir de... C'est un instrument de musique. Mmh. Mmh. Pas ni que le tambour. Talon, c'est son instrument de musique. Oui, il a vini, il a aidé tambour. Mais c'est un instrument de musique. Non, en plus, que chaque petit moment, Penny, tu comptes dans l'ambiance, et puis il a appris. Non seulement il a appris l'histoire là, puisque ça a fait l'histoire, et alors, moi, j'ai noté ça, le temps, la mémoire, la tradition et l'histoire. Et puis, de tout instrument, ni ça qui est bon, puis ça, notaire, les anciens temps, même si elle n'est pas tombée, jusqu'à présent. Mm. Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas tombée tel instrument, pour telle raison, que c'est un malade. Il faut que nous arrivions à permettre que nous fassions la différence, nous-mêmes, dans le choix de ça. Alors, ça, il y a un qui a fait à ce soir-là. C'est-à-dire que l'expérience que nous en avons, hein, on prend un échantillonnage de 10 individus, adultes et enfants, séparés. On va leur permettre une initiation au souffle, arriver à sortir un souffle d'une conque. Avec les adultes, on va leur demander de faire les choses, ils vont faire. Le constat, il est le suivant. Sur 10 adultes, il y en a deux qui vont arriver à souffler sans problème, assez rapidement. Et chez les enfants, il n'y a que deux seulement qui ne vont pas pouvoir le faire tout de suite. Inef, il va apprendre. Oui. Il tout neuf. Il arrive, inef. Oui, tout à fait. Il va apprendre. Oui. Et j'ai noté ça, parce que la voix, j'ai suivi ce que vous disiez. J'ai noté mes affaires. La voix, le souffle, la respiration. C'est une manière pour l'humain de se construire. Parce que on organise chaque année des randonnées et on te dit le souffle, c'est la vie. Donc, ce moment-là, plus il y a pour nous souffler bon air, plus facilité pour le monde, plus construit, quoi, plus à l'aise, puis ils savent. C'est A, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est D, puis apprendre lui. Ça est important. Il peut apprendre lui tranquillement à partir d'un instrument. Parce que nous toujours, je ne sais pas si nous, je ne vais pas parler de moi-même. Comme on pas formé, donc on ne savait pas exactement qui m'en est pour entrer dans la lecture, entrer dans les mathématiques, entrer dans l'histoire, entrer dans la géographie, entrer dans l'espace et le temps. Qui m'en est qu'à organiser quoi? Qui, alors, le temps, là, parce que m'en suivre. Et est-ce si long? Parce qu'il est soufflé. Rapidement. Et puis, au fur et à mesure, il peut apprendre à moduler, souffler. Moduler respiration et qu'il apprend à moduler corps. Et à ce moment-là, il est à l'aise puis il intégrer tout ça, tout prof là, qu'il apprend dans le cadre. Et nous avons parlé d'identité. C'est que ça qui est l'identité. Nous avons arrivé en l'air. Hein? Ou bien il y a un bail intéressant quand même qui est même. On dit un bail intéressant. On dit un loup bail intéressant, mais un bail qui est il quand même le paradoxe, c'est un petit mot moyen, mais bien, mais un paradoxe. Ça, c'est vrai que vous parlez de modernité, et puis ça, alors et que, puis, et ça, puis c'est ça, ça parce c'est que ça, ouais, toute intelligence, tout savoir là, toute connaissance là qu'il y a, effectivement, c'est science là qu'il y a dedans, c'est vraiment sans modernité, un objet de la nature qui a montré nous que c'est un objet moderne, et nous avons bien vu que c'est vrai, parce que aujourd'hui, jour, nous avons parlé de biomimétisme. C'est-à-dire, nous avons essayé, c'est mon avis, la nature tellement performante que nous avons essayé de faire ce qu'on la nature a fait. Donc, vous parlez, c'est
Il parle au Lordia, tu es intéressé, moi. Il est tout à fait raison de ça, parce que ça a rejoint le monde des Amérindiens. Le monde des Amérindiens, c'est un monde qui a imité la nature. Qui voilà. Pile la nature, qui n'a pas aller au-delà de la nature, il pile la nature. Observé, et puis qui a fait. Qui jardin, qui a fait. Puis qui a mis espèce là, et puis là, et puis etc. Quand il a gardé la nature, qui a fait, c'est pas en seule espèce végétale dans les 50 000 kilomètres. C'est ça, voilà, il a respecté la nature. Donc, cette dimension de la culture, il faut qu'on la regarde aussi. Mais tu sais, l'œil moderne. Il y a une chose qui me semble extraordinaire avec les enfants. Lorsqu'on leur apprend à jouer de la conque, on leur apprend à souffler. On apprend à boire, on ramène un bail là. Voilà. Eh bien, tout de suite, les enfants rentrent dans un essai de rythmique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ils soufflent dans une chose qu'ils aiment voir, qui les intrigue. Et là, là même, il y a senti que ni un bagage qui a fait, il y a arrivé à trouver un petit sens à sous où était ça coquillage là. Ou t'es sa musique là, y'a au café. Et finalement, c'est quoi tout simplement? C'est que les enfants, alors quand ils sont vraiment, ils ont 4, 5 ans, si éventuellement ils ont une conque, ils ont soufflé dedans, on va pas chercher à les faire souffler dedans. Il faut attendre que les enfants, les poumons soient là. Donc grosso modo, à partir de 6, 7 ans, ça commence à être très intéressant. Mais là, à ce moment-là, il faut voir le résultat, comment ça va vite. Parce que il y a une chose que ce système permet chez lui, chez l'enfant, chez les adultes aussi, mais c'est plus long. Mais chez l'enfant, c'est tout simplement cette capacité à ordonnancer, c'est-à-dire la sériation. Tu vois? Cette sériation au niveau du cerveau se met en place sur le tac, pitac, pitac, pang, 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 et puis tout le corps part avec. Okay. D'accord? Et quand ils font ça, ce qu'il y a de terrible, ils ne le font pas à l'envers. Ils le font bien à l'endroit. On parle beaucoup de lecture. Est-ce qu'il y a un impact sur la lecture ou sur les enfants? Pour la lecture, est-ce que vous avez vérifié ça? Alors, on parle de difficultés de lecture, c'est d'actualité ces jours. 30% des 7e Maïnois, les grandes difficultés, leur arrivent en 6e. Alors, moi, je reste persuadé que lorsque les enfants utilisent les instruments de musique, tous les enfants, d'une certaine façon, qui pratiquent la musique, pour la majeure partie d'entre eux, ils sont un peu meilleurs que ceux qui n'en pratiquent pas. D'accord? Parce que la musique leur donne de l'ordonnancement de la pensée, en fait, tu vois? C'est ça. En tout cas, je vais te suivre. Je te donne la parole. Je vais répondre à Claude. Quand tu arrives à l'école maternelle, tu fais une éducation rythmique. Mais tu peux faire l'éducation rythmique avec ce que tu veux. Oui, ça peut être avec la conque de l'ambi, ça peut être avec ton piano, ça peut être avec tout ce que tu veux. Et les enfants, et un enfant qui n'aime pas la musique, la musique en général, je suis responsable de ce que je dis, a un problème quelque part. Parce que quand l'enfant commence à grandir, vos enfants, vous-même, tout petit, même bébé, et puis ça dépend de l'adulte, de comment l'adulte fonctionne. Sous quoi danser, puis, ou quoi faire sauter, ou quoi faire écouter musique là, ou quoi faire. Je disais il n'y a pas longtemps, mais tu as des livres, des petits livres, que tu mets dans le berceau, et musical. Les cas. Et jouer, puis pied, puis l'emmener. Et t'il ouvre la café musique. Et bien, à un moment donné, il a fait musique le tout. C'est ce que dit la madame est très important. Parce que, bon, Jeannot, désolé. Je vais partir avec la colle. Là, c'est pas possible. Mais on va pas demander. Papa dit, puis nous allons prendre rendez-vous. Nous allons prendre un prochain rendez-vous. Parce qu'on a un loubaï pour dire tout. Mais c'est pour terminer. Quand je touche cette conque, je comprends que l'apprentissage, l'identité, ça passe par la dimension tactile. C'est-à-dire aujourd'hui, on caresse des écrans. On est dans la linéarité. On est sur le plat, on surfe, on touche même plus maintenant. On n'est plus accroché à la réalité des choses.
Là, ça passe par le... Il y a une odeur, ça passe par le goût, ça passe par... C'est global, couleur. La couleur, c'est une œuvre d'art, ce truc-là, c'est extraordinaire. Bon, je te la rends, mais bon... Mais non, alors, mais bon, on est, malheureusement, on est arrivé à la fin, donc on va passer à la phase de conclusion. Oui. Je pense que certainement, on va se revoir, parce qu'on n'a on a pas tout dit cet après-midi. Oui. Bon, bon, je ne sais pas qui c'est qui va commencer à conclure, parce que... un petit mot de conclusion, oui, parce qu'on a déjà fini. Pour moi, bon, ben, c'est que j'ai été vraiment très, très heureux de venir. Alors, bon, au départ, quand on m'a annoncé le thème, je me suis dit, oh là là, c'est tellement vaste, c'est tellement grand. Il faudra qu'on essaye de quadriller ça. Et puis, je me suis dit, non, le mieux c'est de laisser parler le cœur, carrément. Absolument. Et puis, on y va. Ça. Voilà. Et ça permettra effectivement de dire les choses vraies, parce qu'il faut être vrai dans ce qu'on fait. Et là, je crois que ça a été le cas pour nous tous. Et je reste persuadé que lorsque les gens vont voir, vont venir, ils vont envie d'apprendre à jouer. Alors, c'est la première fois que je vais dire ce que je fais à l'écran. Pour les personnes qui ont envie d'apprendre à jouer de la conque de Lambi, tous les mercredis, les trois premiers mercredis de tous les mois de l'année, au Bodmé de Foyal, ce qu'on appelle pour ma part, je prends mes responsabilités, malheureusement le Malécon, pour moi... On est à la Caraïbe. Voilà, oui. Mais le Bodmé de Foyal, je trouve ça tellement plus beau. En fait, j'ai dit ça comme ça, c'est vrai. Là, on est là, tous les trois premiers mercredis du mois, et on fait une initiation gratuite pour les gens qui veulent apprendre. À quelle heure ? Donc, ça part de 17h à 17h30, c'est l'heure où les gens arrivent, on est là jusqu'à pas d'heure, et tout à l'heure j'y vais, puisqu'on est mercredi aujourd'hui. D'accord. Et tous les derniers mercredis du mois, nous ne sommes pas là, mais nous sommes avec le Bidim Bon Belay de Nico Gerné, et le groupe Ouattaboui. Donc là, 15 tambours belais, 10, 11 conques, et on rendez-vous joue des morceaux mis en place et étudie. Rendez-vous est pris pour les mercredis soirs. Bonne la main foyale, vous aussi vieille. Monsieur Dizier, oui. On n'a pas donné de numéro de téléphone, oui. Si oui, les gens veulent. Alors, 83 96 53, c'est le numéro de l'association. 83 96 53. 06 96, oui. Voilà. Donc, on tombe sur moi directement. Pierre-Léon Jean. Ben, je ferai le pont, puisqu'on est en train de parler d'association, mais c'est très important. Je crois que nous faisons un travail consiste à archiver, si vous voulez, des données électroniques. Nous avons des revues en ligne, nous faisons aussi des éditions. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a un aspect qu'on a oublié d'évoquer au niveau associatif, c'est le lien en âge. Parce que vous faites un travail, nous faisons un travail, il y a d'autres associations aussi qui font un travail, qui font leur boulot. Et je pense que c'est peut-être le maillage de toutes ces associations qui contribuent à exhumer cette culture que nous possédons, cette culture que nous avons et que nous ne voulons pas qu'il nous échappe. Je pense qu'il faut falloir qu'on puisse établir des états généraux, des associations qui travaillent sur la culture et qu'on puisse... Mais rendez-vous est pris. Voilà. On avait parlé de médiation, monsieur, donc... monsieur Lefrançois. Oui, alors j'aimerais peut-être... puisque madame a évoqué la question du temps, j'ai envie de dire prenons le temps. Mm-hmm. Prenons le temps parce que c'est vraiment important aujourd'hui de saisir les choses, de saisir notre identité. C'est saisir, on ne peut pas dire qu'on veut prendre une direction si on ne sait pas d'où on vient. Donc il faut, avant de pouvoir saisir des projets, faire des plans sur l'avenir, saisir vraiment l'âme qui est au fond de nous-mêmes. Donc, et ça passe par l'identité, ça passe par la musique, ça passe par la culture, ça passe par les arts. Par les sciences. Ça passe aussi par la relation qu'on a avec les autres. Donc, Mélange Caraïbes en lionnage avec Ouattaboui, est très heureux aujourd'hui d'avoir pu faire ce pont, comme Gérald l'a dit. Mélange Caraïbes est disponible, joignable sur Internet. Donc, le numéro de téléphone... Je vais peut-être laisser le mien, si tu veux, ou le tien, comme tu veux. Là, ouais, comme tu veux. Alors, le tien, celui du président, alors, c'est le 06 96
03 44 03. Voilà. Et au 6 96 44 03. Rendez-vous est pris. 06 96 03 44 03. Et puis le dernier mot, ce sera pour Josiane, parce que c'est elle qui conclut. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, tout ce que nous avons chez nous, redonnons vie à tous ces instruments dans l'amour de nous-mêmes. Très bien. Et puis pour la réussite. Soutenons, voilà, les réussites de nos enfants. Pour la voilà. L'excellence de nos enfants. Voilà, pour la réussite de nos enfants. Eh bien voilà, si nos enfants réussissent, la Martinique va réussir. En tout cas, c'est merci. C'est ça qui est important. Je crois que on avait fait une belle émission. Et puis merci, on a découvert un élément de nature qui a un caractère insoupçonné. Et puis certainement, nous allons prendre rendez-vous pour voir bien la partie historique, la partie machin, pour pouvoir voir comment on va aider, contribuer notre société à avoir un lieu de stockage dédié. En tout cas, merci, Maman Ayla. Chacun a posé. À bientôt. Et puis, si vous avez retenu les mots de téléphone. Attention. Chacun a posé sa pierre cet après-midi. Absolument. Et aussi, merci à M. Bolivar. Merci de nous avoir reçus. Merci. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.